Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer des choses magnifiques, des pixels à gogo les gars, puisque je vous avais posé la question dans mon Discord, est-ce que vous pouviez me faire le pack pixel, le créer vous-même, et vous l'avez fait. On se retrouve juste après l'intro. Je vais vous montrer du coup les pixels que vous avez créés pour cette vidéo et vous allez pouvoir me dire dans les commentaires lequel des packs vous achèteriez si celui-ci était dans le jeu et pourquoi pas si MSP passe par là de pouvoir s'en inspirer. On va commencer, je pense qu'on va faire dans l'ordre alphabétique des créateurs et des créatrices et c'est parti. Et du coup la première candidate aux élections, je dis n'importe quoi. C'est Chocolaté du coup qui nous a fait, donc là nous avons une coupe de cheveux. Pixel, franchement ta coupe de cheveux elle est trop belle comme la papaya, moi je, franchement, je suis in love, j'adore la coupe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dites en commentaire si vous achetez ou si vous achetez pas. Il y a certaines personnes qui ont mis en pack, certaines personnes qui ont mis les objets un par un. Donc là, Chocolaté, elle a fait un pack, je vais tout vous montrer. Du coup, ensuite, avec celui-ci, il y a la robe. Alors moi, la robe, on dirait une queue de sirène. Le bas, d'ailleurs, je sais même pas si cette... Enfin, le nom de ce genre de robe dans la réalité, justement, c'est pas des queues en forme de sirène. Enfin, des robes en forme de sirène. Je sais pas trop. Mais en tout cas, moi, ça me fait trop penser à une queue de sirène. Je trouve ça trop, trop beau. Il y a les chaussures également, des bottines Pixel, juste ici. Et également un objet qu'elle a mis dans le pack. Donc, c'est. Alors, c'est un objet. Est-ce que ça pourrait représenter une sorte de lampe? Ou juste un objet, même un objet sans qu'il y ait de fonctionnalité. D'éclairage, je trouve que ça reste quand même un très bel objet et du coup elle nous a fait carrément un pack avec le Boonies. Je vous montre juste ici, alors ici on a du coup tout ce que je vous ai déjà montré plus le Boonies dans le pack inclus et moi je suis désolée mais le Boonies il me fait rigoler parce que j'ai l'impression, je suis désolée mais j'ai l'impression qu'il a un string sur la tête quoi. C'est trop mignon mais c'est drôle. C'est très très drôle. Voilà pour Chocolaté. Alors, on achète ou pas le pack de Chocolaté? Dinara nous a donc fait un sorte de redesignement directement sur la Movie Star, parle très le français, avec une, du coup une casquette, un haut, un short si je vois bien, et des bottes et un boonies. Voilà, voilà. Donc, on peut dire aussi qu'il y a le pack complet. Il manquerait peut-être juste les cheveux. Et le pack... Ah, même des gants. Il y a même des gants. Il y a même des gants. Par contre, je vois pas ce qu'il y a derrière. Vous voyez juste derrière elle, derrière son short. On dirait une queue de cheval. Je sais pas trop. Dites-moi ce que vous voyez. Ensuite, c'est DW qui nous a fait un pack, mais cette fois-ci un pack garçon. Et ça, c'est cool. C'est le seul pack garçon que vous allez voir. Le reste, c'est que pour les filles. Donc les garçons, profitez bien. Du coup, dans ce pack, donc il a même reproduit tout, hein, le prix et tout, le ticket VIP. Et du coup, ici, nous avons les cheveux Pixel, des baskets Pixel, un gilet Pixel, un écran. Comme objet je pense, en accessoire il a rajouté un petit masque avec marqué LOAD dessus. Je trouve l'idée du masque très sympathique. Et le Boonies, bah du coup t'as mis un Pac-Man. Dommage que tu l'as pas mis en bleu par contre, pour faire l'effet pixel. Mais c'est vrai que Pac-Man il est... Enfin c'est même pas Pac-Man que t'avais, c'est le petit fantôme. Ouais, par contre le fantôme il aurait bien été en bleu. Il aurait bien été en bleu. Mais sinon j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est pas tout ce qu'il a fait, il a également fait des accessoires et des objets, donc notamment un maquillage. Je pense notamment, là ça s'est représenté sur un œil de movie star féminine, mais je pense que ça peut très bien aussi aller aux garçons. En objet, on a un canon, donc qui jette des pixels, l'idée est vraiment très sympa aussi. Un tatouage, le tatouage est très très bien fait aussi, en forme d'éclair je dirais. Et des boucles d'oreilles, pareil, les boucles d'oreilles sont très très bien faites, hein, les boucles d'oreilles. Hein. Vraiment, très très beau travail. C'est au tour de Geek Fun. Pareil, un pack complet avec un petit Pac-Man. Alors, nous avons des cheveux, une salopette jupe. Je sais pas comment on peut appeler ça, combi-jupe.
salopette jupe, je sais pas trop, mais c'est très joli. Et des chaussures, par contre les chaussures, hein, spéciale mention pour les détails quand même, parce qu'il y a même pas mal de détails, notamment la sorte de lanière sur le devant de la chaussure, les lacets, et les, je suppose que t'as essayé de faire une sorte de dentelle au-dessus de la chaussure, donc voilà, t'as quand même essayé, et pourtant c'est difficile en pixel de rajouter des détails, hein, vraiment, hein. Vraiment, essayer de faire un dessin en pixel avec des détails dans une petite dimension comme ça, c'est compliqué. Mais franchement, très très beau, les cheveux et tout, franchement, moi j'achète. Nous avons ici le pack de Yunori qui a décidé de partir sur une couleur un petit peu différente, mais notamment très jolie quand même. Hein. On va pas se mentir, c'est un très beau vert, comment dire, vert d'eau, je crois que ça se dit comme ça cette couleur, mais c'est très très beau comme couleur. Et du coup, on a des bottines, des boots peut-être, des cheveux avec un chignon, une robe. Une très belle robe et un bounis. Par contre, le bounis, il est trop mignon. On dirait pas une petite patate comme ça. Le bounis. Et en objet, elle a ajouté une radio. On appelle ça comme ça, je crois. Donc, voici le pack de Yunari. The next is Irne. Donc, je sais pas si c'est Irnai, Irne. Je sais pas si je prononce bien, donc désolée. Et ici, nous avons. Donc, on voit bien le petit montage sur le t-shirt pixel. On voit bien le haut du t-shirt pixel avec un bas. Donc, par contre, je sais pas ce que t'as essayé de faire. Un short en bas, je suis pas trop sûre. Est-ce que t'as essayé de faire un combi short peut-être? Faudra me dire. Des petites chaussures, une coupe de cheveux. Par contre, il est assez bien réalisé, je trouve, le Pac-Man, le fantôme du Pac-Man, là. Il est vraiment pas mal, il est vraiment pas mal. Alors, si vous posez la question pourquoi il y a plusieurs personnes qui ont fait le Pac-Man ou fantôme du Pac-Man, c'est parce que c'est moi qui avais soumis l'idée, en fait, je trouvais l'idée sympa de pourquoi pas un Pac-Man en boonies. Bien sûr, c'était des idées, vous voyez qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a fait, donc vous inquiétez pas. Et des petites lunettes, alors les lunettes, ça me fait penser aux lunettes de Francesca. Enfin, les fameuses lunettes de Francesca, mais en version bleue. Mais elles sont vraiment bien faites. Hein. Elles sont très très bien faites quand même. Elles sont peut-être un petit peu... Je pense que le côté là, il aurait fallu mettre le trait ici, qui passe plus près de la lunette à droite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pour les lunettes. J'ai l'impression qu'il y a... Je sais pas comment ça s'appelle, la tige des lunettes. Enfin, la branche des lunettes. Je crois que c'est une branche qu'on dit. Le très joli pack de Kylina. Franchement, Kylina, t'as fait un truc de fou. C'est trop beau. Surtout les sourcils. Je pense que les sourcils, c'est le truc que je préfère de ce que tu as fait. Parce que c'est super original. Personne n'a pensé, je crois, à faire des sourcils. Et c'est très très joli. Mais tout le reste est aussi très très beau. Entre autres, la coupe me plaît énormément. Avec le petit détail en plus. Avec du coup le petit béret sur la tête. Petit béret très très mignon. Ça fait très le French kiss. Ou pas du tout, le French touch plutôt, hein. Les petites ballerines, juste là, une robe, et le petit bounis, on dirait un bonhomme de neige. Je sais pas si c'est ça que t'as essayé de faire ou pas, Kelina, mais en tout cas, il est très très beau. Alors, on l'achète ou pas, ce pack? Le pack by Chrissy, donc pareil, désolé si je prononce mal le pseudo. Ici, nous avons une coupe de cheveux, très belle coupe, des chaussures, on dirait vraiment les chaussures du pack de la Saint-Valentin, vous savez. Enfin, après, ça reste des chaussures, des talons de base avec petite plateforme et une robe. Comme objet, nous avons un ballon. Ça me fait penser au ballon d'un certain film d'horreur. Dites-moi si vous voyez duquel je parle, mais je pense que oui. Et un bounis. Et le bounis, franchement, tu l'as trop bien fait. Par contre, je suis pas sûre de savoir ce que c'est comme animal. Enfin, ça doit être de la famille des oiseaux, je suppose. Mais il est très très mignon. Il est très très beau. Et nous arrivons incontestablement. Essayez de dire ça derrière vos écrans, c'est compliqué. La personne, je crois, qui a le plus pris de temps à créer... les packs, parce que oui, il n'y a pas qu'un seul pack, elle a fait carrément deux packs pixels. On va garder le pack que je préfère des deux en deuxième, et on va commencer par le premier, qui est quand même très 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 beau. Et du coup, le deuxième est mon préféré, je crois, de tous les packs. Pour celui-ci, nous avons une paire de cheveux, une coupe de cheveux plutôt, parce qu'une paire de cheveux, c'est un peu bizarre. Avec un chignon, donc c'est très beau, on voit bien l'inspiration, je pense,
de tenue de jeu vidéo comme ça, on dirait un peu, genre ça me fait penser à une tenue de, je crois qu'elle s'appelle Yuna de Final Fantasy, mais en tout cas c'est très beau. Et avec ça, des chaussures, ici un bunnies, très mignon le bunnies, très très beau, un lapin cube avec un petit cœur. Et ici les yeux, donc par contre Léo, faudrait que tu m'expliques, parce que t'as dit que c'était comme une lampe, ça s'illumine, donc je sais pas si j'ai mal lu, j'ai peut-être lu le mauvais message, mais moi franchement c'est des yeux clairement qu'on aurait pu garder dans le pack, genre un peu comme les yeux du pack Bratz, et genre vraiment qu'on puisse les mettre carrément sur notre movie et tout ça, que ça remplacerait les yeux, et franchement très très beau, genre du studio design quoi. Franchement, dites ce que vous en pensez. Franchement, moi, clairement, j'achète. Et on va passer, du coup, au deuxième pack de Miyuli. Mon préféré de tous. Vraiment, vous allez voir, il est très, très beau. C'est celui-ci. Franchement. Et il y a du boulot. Franchement, rien que le kimono, tout seul, je l'achète, quoi. Enfin, regardez, c'est trop beau. Les cheveux, magnifiques, avec les petits détails. La petite fleur, enfin, les petites fleurs, même. Dans les cheveux, avec les deux chignons. D'ailleurs, l'une de mes coupes favorites du jeu, c'est déjà les deux chignons. Donc, en plus, en version pixel, je prends direct. En objet, on a un katana. Très, très beau. Très, très beau, le katana. Un katana posé sur un support. Les chaussures, bah, les fameuses chaussures traditionnelles. Hein, enfin, chaussures, chaussettes. Claquette, non je déconne, merci au revoir. C'est très très beau. Et le bunnies, franchement le bunnies, bah, on voit bien c'est l'inspiration inspiration asiatique dans ce pack, vraiment on le ressent avec la petite le petit riz, la petite boulette de riz là, trop mignonne, qui ouvre la bouche et tout, genre I am shook and I'm shook. Non, franchement, très très beau. Franchement, MSP, si tu passes par là, s'il te plaît, inspire-toi de ce pack, quoi. Voilà. Tout est dit. Et on passe du coup au dernier pack. Enfin, dernier pack, finalement, non, puisque ce sont uniquement des parties. Et du coup, c'est celui de Rita. Alors, Rita nous a fait un pantalon pixel, très bien réalisé. Je trouve qu'il est... je crois que c'est le seul pantalon, vraiment pantalon, qu'on a eu de toute cette vidéo en pixel. Et deuxième chose, c'est... Franchement, j'adore ce que t'as fait, Rita. C'est la pince dans les cheveux. Comment on appelle ça une... Enfin, moi, j'appelle ça une pince, mais je crois que c'est un nom... une sorte de broche, non c'est pas une broche, enfin c'est un nom, mais bref je vais appeler ça une pince, petit accessoire pour les cheveux, et je trouve que tu l'as trop bien fait, cette petite pince dans les cheveux, elle est trop mignonne, franchement il faut l'ajouter dans le game, MSP rajoute moi ça dans le game. Eh bien écoutez, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé, mettez un énorme like pour toutes ces créations, pour vraiment soutenir toutes les personnes qui ont participé pour cette vidéo, parce que franchement, je pense qu'il y a eu quand même du boulot, et bah si vous voulez une autre vidéo de ce genre-là, n'hésitez pas également à donner vos idées dans les commentaires sur des inspirations de quel pack je pourrais vous défier cette fois-ci. En tout cas, c'est très 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 beau. Et moi sur ce, je vous laisse. Merci à tous les créateurs de cette vidéo. Merci grandement à vous. Hein. Franchement, je me suis éclatée à faire cette vidéo et à découvrir vos créations. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Gros bisous. Ciao, ciao.